Bonjour, bonsoir, 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 bonsoir. Comment nous y est, comment nous y est? Eh, beau salle en l'air, là. Beau salle en l'air, là, nous. Mais nous. Quand beau salle, les jours. Comment nous y est, moi salue nous. On va faire un petit parler avec nous sur la révolution. Et, cher Lavla, vous, hein, quel que soit le coup de cher Lavla, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui à la. Mirland, comment est Mirland estimable? Bonsoir ou même tout, cher Lavla, vous. Zigo, ça qu'a fait en formule red. Yep, pas de fait back non, mettez lus. Et Jésus, ça me passe des silences, Guy Philippe. Judley Astrel, comment nous y est? Bonjour, ma. Maouzouba, bonsoir, cher Lavla, pour moi. Oui. Milito Cristino, bonsoir. Et, on fait un petit parler avec nous sur question révolution. On salue nous. Et c'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Alors. Tout d'abord, ma fond mise en contexte pour nous comprendre l'enjeu mondial avec les grands mouvements populistes à caractère réformiste et les tendances révolutionnaires qui ont dégagé dans le monde là, via des idéologies nationalistes. Mes chers amis, l'important pour nous comprendre les enjeux. Moi-même, je suis métaphysicien, je suis idéologue, je suis politicien et je suis analyste. Nous pas bataille comme ça, nous pas bataille simple, nous pas bataille vaille que vaille. Et nous bataille nous évaluer, nous faire assessment, nous analyser les outils, nous garder l'efficacité des outils, nous identifier l'adversaire, nous garder la capacité, l'idéologie. Et à partir de là, nous définir stratégie nous, en fonction de vision nous et goal nous. Objectif nous bâtir. Il y en a pas pour nous comprendre comme postulat de départ. Haïti, pas un pays qui est isolé. Haïti fait partie d'un système mondial qui est traversé par une série de tendances et par une série de grands courants. Ceci étant dit, laissons un leader, laissons un acteur politique où il y a besoin de comprendre. Ça qu'a fait ou une vision pour Haïti, il faut toujours inscrire vision d'Haïti ça dans perspective globale qui intègre en quelque sorte les grands enjeux géopolitiques et stratégiques. Maintenant, nous avons un rapport que Haïti définit avec l'Occident. Rapport ça depuis nous prenons indépendance nous, son rapport dominant dominé. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui sont capables d'expliquer raison et rapport ça. Est-ce que nous sommes capables de redéfinir rapport à? Maintenant, pour nous redéfinir rapport ça, rapport dominant-dominé ça avec l'Occident, dans l'autre pays tout, en quelque sorte, qui victime avec, il faut que nous identifions une série d'éléments. Et éléments ça, pour nous identifier, nous demandons une bonne lecture
de dynamique système mondial là pour nous garder qui tendance li. Maintenant, le monde là actuellement est dominé par des forces. Il est dominé par des forces, il est dominé par des courants idéologiques. Et en quelque sorte, et tout positionnement que Haïti t'apprend, c'est soit li aligné avec tendance dominante sa yo, force dominante sa yo, même les Libanais avantage li, ou bien li prend posture, en quelque sorte, qu'en coup d'autres pays pour l'assurer en forme de résistance. Ceci étant dit, monde-là li dominé, tout d'abord par une certaine vision néolibéraliste, qui incarne une forme de mondialisation globaliste et repartition qui fait à travers le monde là en série de pays qui a fourni des ressources ou des matières premières sous le marché mondial. À ce titre-là, on a des instruments que l'Occident utilisait pour le capable maintenir et asseoir l'hégémonie dans le monde là. Au niveau international, l'Occident utilisait des organisations mondiales, internationales, tant que l'ONU, FMI, Banque mondiale, BID, ce sont des instruments en quelque sorte de domination de l'Occident, des instruments qui servit à renforcer l'impérialisme américain de l'Occident dans les affaires internes de certains pays, majoritairement les petits pays, tant qu'en Haïti. Maintenant, contexte mondial, ça, en quelque sorte, n'est pas aussi favorable pour Haïti. Il n'est pas favorable pour Haïti parce que, depuis plus de 200 ans, nous sommes en forme de domination, et domination, ça l'est avéré, et tous les faits, en quelque sorte, ils ont abondé dans le sens pour être capable de confirmer domination, ça, que nous avons subi de la part de l'Occident via un impérialisme néolibéral à travers les institutions internationales et plus particulièrement les États-Unis d'Amérique. La politique étrangère des États-Unis d'Amérique vis-à-vis d'Haïti était toujours inscrite dans la perspective à protéger, à défendre les intérêts américains. Et ceci au détriment des intérêts du peuple haïtien, et ceci au détriment de notre souveraineté nationale, au détriment de l'intégrité de notre territoire et de nos ressources naturelles. Ceci étant dit, Haïti était un espace pour les États-Unis, les besoins en quelque sorte approvisionner les en ressources et en matière, ou bien le besoin manipuler la scène internationale là, utiliser Haïti comme un pion. Et puis, ou bien, les besoins et collecter des fonds, les manipuler Haïti de façon telle, les générer des crises pour assurer une certaine instabilité, pour le capable garantir présence li sur dans Caraïbes là. Maintenant, ces éléments, en quelque sorte, les nous garder ou bien, nous vinouer que l'important, si n'a pas les deux révolutions, pour nous bien clair ce concept révolution. Raison qui fait que nous supposons bien clair, parce que les paramètres du concept là, faut nous définir paramètres conceptuels clairs, de façon à ce que pour pas gagner malentendu ce concept de révolution. Et c'est ça qui commençait en quelque sorte problématique pour plus d'un. Et nous parler de révolution, maintenant il a posé peut-être une question de ce dont il est question. Maintenant, parce que nous avons une définition classique de la révolution, et nous voyons comment mode de révolution qui existait qui était passé dans le monde là, nous ouais qui ça au bas. Maintenant il y a plusieurs modèles de révolution nous capables à et analyser pour nous capables d'avoir une idée en clair de ce dont il est question. Première forme de révolution, nous sommes capables de parler de révolution de type qui pourrait l'accoucher avec une indépendance, par exemple révolution haïtienne.
Révolution haïtienne, c'est une révolution en quelque sorte violente qui a accouché un nouvel État, mais c'est par la force, l'usage de la force, le militarisme indigéniste a joué un rôle déterminant dans la révolution haïtienne. Non, sur le plan politique, il a accouché ce qu'on appelle notre indépendance. Ok? Maintenant, est-ce que la révolution a été exportée ou bien a tenu compte de l'ordre mondial de l'époque là? Oui, il a tenu compte de lui, mais en quelque sorte, il y a une série de facteurs que vous pas maîtriser qui cause révolution, c'est vrai, il a accouché indépendance nous, mais sur le plan révolution, pas qu'à bail résultat concret en termes de économique et politique et social. C'est ça qui fait pays a pour le confronter depuis indépendance nous à une série de d'instabilité politique, turbulence politique, coup d'état et assassinat politique, violence politique pour le vienne tourner, y a un mode d'expression en quelque sorte dans manière de nous faire politique en Haïti et puis nous pral en quelque sorte comment et violence politique ça yo, coup d'état, instabilité politique ça yo pour le constituer yon élément majeur dans affaiblir l'État, les institutions de l'État, qui fait que l'État pral perdre du moyen, pral perdre du ressource, il pral perdre capacité li pour assurer en quelque sorte survie et protection territoire et fonction régalienne en dedans pays. Maintenant ceci étant dit, et focus là t'as supposé en quelque sorte orienté vers l'économie. Maintenant yon l'économie dirigée, yon économie côté que qui est capable d'assurer développement qui permettent en quelque sorte que pays d'Haïti gagne suffisamment de ressources économiques pour le faire face à une série de besoins, surtout en matière de taxation, imposition, pour être capable l'État jeune moyen pour le mener politiquement et surtout politique régalienne en matière de sécurité et maintenir l'ordre public en dedans pays d'Haïti. Ceci étant dit, et dans toute démarche, nous voyons que le militarisme en dedans pays d'Haïti t'es venu jouer un rôle central dans la façon dont nous faisons politique jusqu'à l'avènement, l'arrivée bien entendu des Yankees en 1915 dans le pays d'Haïti qui pourra le réformater et militariser dans le pays d'Haïti et réorienter dans la forme de gendarmerie côté pour le mettre pays et l'armée d'Haïti, les fonctions régaliennes, les États-Unis pourra venir avoir un agenda pour le take over fonctions régaliennes de l'État. Maintenant nous connaissons bien depuis l'État pas qu'à assurer fonctions régaliennes ni en quelque sorte, l'État ça l'y affaibli et l'État ça non seulement l'y fait faillite, mais l'État ça vient tout un véritable handicap en matière de déstabilisation de régionale et en matière de insécurité nationale. Maintenant, il peut le contester par des groupes armés, il peut le contester par des crimes et organisés, il peut le contester par des crimes et des bandes criminelles, des gangs internationales, des groupes mafias qui peuvent faire d'appui sous l'État ça et empêcher l'État ça en quelque sorte arriver en rempli fonction qu'il t'a supposé remplir. Maintenant, ceci étant dit, d'autres éléments qui prennent un rôle déterminant, c'est le fait que vu que l'État haïtien de 1806 pour y venir aujourd'hui, il va une problématique par rapport à avec prise de position nous au niveau international qui fait que nous pourrons constituer une menace pour l'ordre capitaliste établi. Nous pourrons trouver nous dans une situation côté nous pourrons avoir difficulté pour nous commercer avec les forces extérieures, c'est-à-dire les puissances extérieures de type capitaliste en Occident. Maintenant, pour nous intégrer nous dans des massas, nous pourrons obliger, en quelque sorte, rater avec sa révolution industrielle. Nous pourrons rater, et pas rater, nous rater, ils ont interdit nous la révolution industrielle parce que ils connaissent nous son l'État, ils calquent nous de l'État belligérant, ils calquent nous de l'État qui est de type, en quelque sorte, autocratique, qui, en quelque sorte, a remetté, a bouleversé le monde-là, si on a nous les ressources nécessaires pour économique, pour nous capables de mener politique, nous. Maintenant, la logique consisterait à réduire l'État haïtien à sa plus simple expression et mettre le nom situation de dépendance vis-à-vis de l'Occident et cette situation de dépendance en quelque sorte pral traduit dans les faits par des interventions, par le fait que yo créé des crises humanitaires systématiques et engendré en quelque sorte instabilité politique, corruption de façon telle à ce que nous toujours à solliciter l'international qui, en quelque sorte, sont forme déguisée de prolongement agenda à l'Occident pour être capable d'en dedans pays. Maintenant, nous voyons que et l'État haïtien vient trouver dans une situation
côté que li pas capable rempli fonction yo parce que li non situation de dépendance systématique de la part de l'Occident. Mangez nous sorti l'autre bon, yo crasé production nationale nous, yo crasé entreprise publique nous, entreprise et l'État yo, yo à travers privatisation, yo vin avec des plans néolibéraux. Les plans néolibéraux, tels que plan d'ajustement structurel, côté nous privatiser l'État, yo craser l'armée, yo destituer l'armée de façon à ce que, yo démobiliser l'armée de façon à ce que pour nous pas remplir, protéger territoire, non? Et yo ban on tire la police qui faible, yo craser production nationale nous pour nous capable importer marchandises aux États-Unis avec République Dominicaine, yo mette nous dans situation culturel de dépendance, côté que l'ensemble des musiques, toute bagaille n'a pas recevoir, c'est l'Occident, c'est États-Unis qui a influencé nous culturellement, au niveau langue, c'est l'Europe, et c'est la France, au niveau de manger, de façon de opérer, de habiller, tout bagaille, c'est l'Occident qui définit pour nous les paramètres en matière culturelle. Ceci étant dit, et au niveau social, nous subit forme de domination, ça. Maintenant, l'homme garde ça comme ça, ou dit, mais, ce dont il est question, qui sa pays sa besoin pour être capable de sortir la donne. De 1806 à nos jours, maintenant ce qui est important, c'est qu'il faut envisager une autre manière de faire la politique. Faut nous renverser le système. Là. Faut nous chavirer le système. Là. Maintenant, est-ce que c'est un bagage qui est facile? Il n'est pas aussi évident, parce que faut nous tenir compte des paramètres internationaux, des enjeux géopolitiques et stratégiques. Maintenant, il faut comprendre que au niveau international, au niveau géopolitique et stratégique, il y a des acteurs qui ont dynamique, un chiffre de pouvoir qu'a fait au niveau international. Il y a un groupe qui a plaidé pour un monde multipolaire. Et nous parlons que l'hégémonie américaine, en termes de leadership unique, l'y contestée au niveau international. Les instruments de domination internationale du leadership américain, ils remettaient en question tout tel que, par exemple, l'OTAN, tel que organise international, yo, d'autres organisations internationales. Ceci étant dit, nous voyons cette remise en question de l'hégémonie américaine au niveau international, li manifester à travers le comportement de certains pays qui pourraient organiser tête, yo, autour de ce qu'on appelle BRICS. BRICS, en quelque sorte, c'est une façon pour yo résister à l'hégémonie américaine et pour yo voir à l'Occident, de façon générale, pour yo voir comment yo ka redéfini et ordre mondial là et pour yon rendre beaucoup plus juste et équitable. Maintenant, si nous regardons dans la situation, ça, nous parlons que, est-ce que Haïti a un grand frère au niveau international? Parce que nous avons un système, pour nous réfléchir sur ça, est-ce que nous avons un grand frère? Qui est-ce, si nous avons une position, qui est-ce au niveau international, nous capables de compter sur lui comme un grand frère, pour si que et l'Occident a décidé de mettre pied sous coup révolution, pour si que, et l'Occident a décidé de frapper révolution. Maintenant, il faut comprendre que, pour cela, nous obligés de remonter dans l'histoire, pour analyser une série de pays, en quelque sorte, qui t'a fait révolution, et révolution, ça y est, je ne veux dire, qui s'alibaille en termes de résultats, et qui comment, communauté internationale là, surtout l'Occident, t'a réagi vis-à-vis de, révolution, ça y est. Nous gagnons, la révolution, en quelque sorte, cubaine, qui, je ne veux dire à nous, qui fait plus que 60 ans en bas révolution ça, avec révolution ça, et qui subit comme sanction embargo, ok? Nous gagnons la révolution iranienne aussi, et avec Ayatollah, qui lui-même, en quelque sorte, t'est fait aussi, mais aussi nous, qui gagnons des sanctions qui pesaient sous dos révolution ça. Maintenant, si nous disons après révolution pour nous combattre les contradictions internes en dedans pays, c'est-à-dire accoucher l'autre ordre social en dedans pays d'Haïti, oui, il est important. Nous inscrire dans une dynamique ça, mais il faut considérer les grands enjeux internationaux, les intérêts des acteurs internationaux en matière de libre échange, en matière de domination idéologique, en matière de présence dans les et leurs intérêts en dedans pays d'Haïti. Et si ou dit ou a fait révolution, ou pas prêter attention avec ces paramètres, ou déjà a abouti à un échec, pas gué menti la donne, sinon c'est un fou la lié. Maintenant, qui est alternative sur le plan interne? Sur le plan interne en matière de révolution, ou qui doit dire, ok, n'a pas adopté une révolution à la cubaine. Ou bien n'a pas adopté une révolution
à la iranienne. Ou bien nous dit bon, n'a adopté une révolution beaucoup plus moderne et une révolution réformiste, populiste à la Mali, j'ai fait et dans l'Afrique subsaharienne. Maintenant, Afrique de l'Est. Maintenant, est-ce que nous avons les moyens militaires pour nous faire ça? Ça, c'est une question. Il faut nous considérer. Paramètre, ça, très important. Il faut nous considérer. Parce que enjeu au détail. Maintenant, ceci étant dit, qui alternative nous gagne? Alternative qui gagne, c'est que nous sommes capables de dire, oh, et c'est élection. Nous obligés d'aller par voie démocratique. Voie démocratique, c'est que nous avons un programme. Gagne un programme politique, ok? C'est-à-dire, de pour entrer dans un programme politique, ou entrer aller dans la voie démocratique, dynamique radicale là, il peut passer par réforme. Maintenant, vous participez, vous venez à un discours révolutionnaire populiste, côté peuple là, vient bas ou légitimité populaire, à la base, pour capable diriger. Et si nous remarquons dans l'histoire du pays d'Haïti, Duvalier était joué, qui fait le devenir posé dictature. Aristide était joué légitimité populaire là, ok, en forme de populiste, à travers le discours ça. Et Jovenel Moïse était venu joué tout. Maintenant, ce qui est important, n'a pas gardé bien qui s'est passé. Duvalier réussit, ok, surtout avec mouvement noiriste, idéologie noiriste, non? Un populiste noiriste arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, il installé une dictature. Maintenant, dans le contexte de Duvalier, le contexte géopolitique, il était favorable pour Duvalier. Il était favorable pour Duvalier dans le sens que nous étions dans le contexte de la guerre froide, 1957. 1957, nous en plein début, guerre froide là. Maintenant, les Duvalier montaient pouvoir avec un discours populiste, noiriste. Ok, il prend pouvoir là. Ok, maintenant le problème qui se pose, c'est que, arrivé au timon des affaires de l'État, Duvalier pour utiliser des stratégies pour asseoir une dictature. Mais le contexte international était favorable pour lui. C'est-à-dire l'Occident, en quelque sorte, pas qu'à courir pour te bourrer sous lui, à cause de Cuba, qui te gagne un comportement pro-soviétique, et nous voyons que Haïti n'a position stratégique l'idée, ya. Duvalier pour jouer sous ça, pour le maintenir tête li au pouvoir. Et c'est ça pour expliquer installation dictature duvalieristan au pouvoir. C'est-à-dire, les forces extérieures, en quelque sorte, l'Occident, étaient favorables, ok, avec Duvalier, qui fait que Duvalier pral gagne l'attitude pour être capable d'instaurer dictature, ya, et mener des politiques drastiques en dedans pays d'Haïti. Et c'est ça qui expliquait, en quelque sorte, en 1986, 83 pour 86, qui prend le contexte international a commencé à changer, l'Union soviétique commençait à affaiblir, et bien qu'on y a les États-Unis et l'Occident, pas prendre la nécessité pour qu'il y ait une dictature en dedans pays d'Haïti, ils prend commencer à entrer dans un processus de démocratisation qui prend affecter le régime du Valier, surtout avec Jean-Claude. Et qui puis nous parle assister à l'effondrement du régime du Valier. Mais pas oublier ce qui est important, ce que ça nous doit noter. La prise du pouvoir, la conquête du pouvoir, l'était chita autour d'un discours populiste, noiriste, mais y arriver au pouvoir pour y consolider le pouvoir là, le contexte international était favorable pour y. Maintenant, nous prenons nos deuxième cas avec eux. Avec Aristide. Aristide parle bon discours populiste aussi. Ok? Anti-élite. Maintenant, avec ce discours, Aristide parle arriver au timon des affaires de l'État. Par voie démocratique. Maintenant, 91, Aristide arrive au pouvoir. Élection faite 90, Aristide est monté au pouvoir en 91. Maintenant, le problème qui se pose, la conservation du pouvoir, la consolidation du pouvoir, et l'exercice du pouvoir
États-Unis pral en quelque sorte taper monsieur, l'Occident pral taper monsieur, parce que le discours de conquête de pouvoir ou pas qu'à diriger avec. Sous prend pouvoir avec un discours populiste ou pas qu'à venir diriger et établi une dictature ou diriger. Maintenant, qui ça Amérique va le faire? Amérique va utiliser Cidras pour bailler Aristide un coup d'état. Maintenant, il faut comprendre que coup d'état yo bay Aristide en 1991, c'était pour en quelque sorte combattre velléité monsieur et contexte international là t'est changé. Nous 91, l'Union soviétique effondrée. Aristide montait à un discours populiste de gauche. Maintenant, elle arrive au timon des affaires de l'État. Paramètres internationaux ont changé. Pas une guerre froide encore. États-Unis viennent paraître comme seule puissance mondiale. OK? Maintenant, États-Unis décident de faire ça. Ils entrent par Aristide au coup d'État. Ils voient Aristide à l'étranger, viennent États-Unis. Maintenant, ils réparent monsieur. Et puis, ils font monsieur signer une série de bagailles. OK? Et ça, monsieur signe, ils viennent permettre à ce que facilite le retour Aristide en dedans pays d'Haïti. Maintenant, il faut comprendre que y a un élément que qui parle bail problème, c'est que les monsieur a tourné. OK? Monsieur a tourné avec blanc. Pas oublier blanc comme comment l'opérer. Blanc crée crise, dit bon coup d'état, il faut venir la caille et puis il faut signer et pour conformer, l'offre une conformer, on lui dit pas un problème comme c'est moi t'ai beaucoup d'état m'a mené tourner. Même l'armée, il était utilisé. Parce que où est ta major l'armée d'Haïti, c'était CIA, même l'armée ça a été utilisé pour bail coup d'état, c'est même l'armée ça a entré encore, li vini vin battre, li fait li humilier yo et puis li fait Aristide démobiliser l'armée ça. Maintenant il faut comprendre que depuis lors en 94, Aristide retourné deuxième version, maintenant peuple a pas jamais perdu espoir en Aristide. Maintenant peuple a toujours pensé c'est toujours même Aristide qui l'a écouté patati patata. Il a fallu, en quelque sorte, quelques années plus tard, pour nous rendre compte que Aristide changeait. Maintenant, en 2000, les 99, les Aristide retournaient au pouvoir, avec après Préval, nous parlons que dans l'élection, ça, Aristide pas le gain. Maintenant, le problème qui gagne, c'est que pas gagne l'armée, la police là, en place, Aristide qui contrôle la police, non? Gang t'es couvert parce que pas garanti gang encore, l'armée écrasée, gang t'es couvert, comment c'était couvert avec Aristide. Maintenant nous allons assister à une situation côté que psychose et la peur pour intégrer dans le pays. Et seule résistance Aristide pour jouer, c'est résistance société civile là. Qui va le camp en face dit avec opposition que y aurait les convergences. Maintenant nous parlons que même chez Massa, situation ça va commencer expliquer et processus de négociation politique, processus de accord politique qu'on y a négocié pour le bail coup d'état classique. Puisque l'armée pas là pour le bail coup d'état, je ne dis qu'on habitue bail coup d'état. Maintenant il va utiliser y a l'autre moyen pour être capable d'affaiblir l'État et empêcher une dictature populiste chita sous pays. Et c'est ça nous allons assister avec Aristide, côté que tout d'abord nous avons une convergence démocratique qui, en quelque sorte, va contester légitimité pouvoir la valace là, et nous allons gagner société civile qui va rejoindre convergence démocratique dans la bataille pour renverser et Aristide, et nous pourrons joindre en quelque sorte toute organisation de base pour mobiliser, rejoindre à la communauté internationale la France qui pourra camper face avec Aristide. Maintenant, pour nous comprendre mieux, Aristide pas la tomber. Aristide pas la tomber pour la simple bonne raison, la communauté internationale est en faveur Aristide, est en position Aristide. Maintenant, comment Aristide pourra le tomber? Aristide pourra le tomber, c'est parce que Aristide pourra le venir avec question restitution de la dette de l'indépendance. Maintenant, les contradictions internes, pas de cavider Aristide à terre. Aristide, t'es qu'à rouler dans dialogue, dans accord, dans ceci, dans cela.
Mais les Aristide mangé dossier restitution dette indépendance là que américain bali, c'est parce que le contexte géopolitique, le contexte géopolitique et stratégique n'est pas favorable pour Aristide. Mbal ba nous semble dire en 80 États-Unis entré en guerre, OK, avec l'Irak. OK, il entré en guerre avec l'Irak. États-Unis a frappé, la France pas d'accord parce que la France te gain intérêt avec Kadhafi. Maintenant, les la France gain intérêt avec Kadhafi, la France a utilisé tout moyen diplomatique li pour bloquer guerre. Pour guerre pas fait. Gros diplomatie a fait au niveau de l'ONU pour empêcher que États-Unis envahit Irak. Pas oublier, après 11 septembre, États-Unis frappé, terroristes frappé États-Unis. Maintenant, ils ont déclaré la guerre contre la, Bush déclaré la guerre contre l'accès du mal. Et puis, automatiquement, la France, qui a intérêt avec Kadhafi, en Irak, pour utiliser tout outils, tout arsenal diplomatique, pour le barrer route avec les États-Unis d'Amérique pour ne pas envahir l'Irak. Maintenant, États-Unis, qui ouèl la France constitue un épingle qui a permis de li, dans l'objectif li, eh bien, États-Unis utilisent Aristide. Ils utilisent Aristide comme un pion pour lever contre la France avec question restitution d'être indépendance. Aristide pas de choix. Oui, Saddam, merci, Thunder. Saddam Hussein. Aristide pas de choix. Les Aristide pas de choix. Aristide est monté en commission, ok, pour l'Allemagne des COP d'être et comme indépendance avec la France. Qu'on y a la France, en quelque sorte, Jacques Chirac, avec des Villepins, vient trouver une situation difficile. Parce que la France t'a fait face avec une crise budgétaire. Maintenant, ça la France fait. La France obligée de négocier avec les États-Unis. La France mande tête Aristide. États-Unis dit le pas bail Aristide. Il pas bail tête Aristide parce que Aristide, en quelque sorte, c'est États-Unis qui d'elle, qui utilisait le compio contre la France. Maintenant, dans la discussion, on voyage que des filles peuvent faire aux États-Unis. Et voyage ça, c'est là qu'on va discuter tête Aristide. Et bien, dans voyage ça, de Villepin pour négocier départ Aristide et de Villepin, en quelque sorte, pour négocier pour ralentir sous question opposition à la guerre là, en Irak là, et pour lui supporter États-Unis, moyennant et médicalement parlant, bah, ça y est, pour guerre là, en Irak. Eh bien, c'est les États-Unis à la France jouent à cause ça, eh bien, les États-Unis liquidaient Aristide. Les États-Unis liquident Aristide. Aristide, il n'y a pas qu'à liquider Aristide, il n'y a pas qu'à mettre Aristide dehors directement. Maintenant, faut monter, yon simila. Eh bien, c'est comme ça, yon pral, yon usage qui pral fait, yon pral faire appel avec Guy, et Guy lui-même, en quelque sorte, pral mener bataille, parce que t'es un antécédent entre Guy avec Aristide. Nous connaissons, ça t'est passé avec Guy, coup d'état raté, et puis Guy t'a réfugié la République Dominicaine. Après ça, il va le remobiliser Guy encore, pour Guy vienne camper face avec Aristide. Maintenant, il faut comprendre l'enjeu dont il est question. Et, à l'époque, communauté internationale là, t'es vrai pour Aristide aller. Surtout la France. Et c'est ça que va l'expliquer en quelque sorte. Et dynamique, pour bail tendance à créer un en quelque sorte, ça aurait les guerres civiles. Et puis, pour les États-Unis, pas le choix, pour y entrer, prendre Aristide, pour éviter un massacre à une guerre civile en dedans pays d'Haïti. Et nous allons, bien entendu, c'est comme ça, scénario à le passé. États-Unis, avec la France, fait d'ilio, pour y voir Aristide aller. Maintenant, usage la fête, scénario a fait sur le terrain, avec Guy Philippe, et tentative, de guerre civile, menace de guerre civile, États-Unis pral entrer, libral dans palais national, libral fausser Aristide quitter pays a pour Aristide aller en quelque sorte en exil. Et nous pral wè, yo pa bay Guy pouvoir. Guy pa prend pouvoir, yo tient à ce que Guy retourne en quelque sorte aller pour la élection. Maintenant il faut comprendre que dans coup ça peut-être que Guy était immature politiquement. Et à ce titre-là, il va le mettre en place
yon pouvoir, j'ai douté qu'on est là, ok? Conseil des sages, et puis yon pral vin avec yon premier ministre, que communauté internationale là pral accoucher, qui c'est la tortue. Et nous pral ouais, bien entendu, en 2004, comment, même scénario n'a pas assisté aujourd'hui, hein? Yon conseil présidentiel, yon conseil des sages, avec yon premier ministre international, qui bat même bagay là, et puis, pour gain mission pour faire élection, renouvellement de personnel politique là, et puis, et créer, ça aurait les conditions de sécurité pour élection faite, et puis, s'entendre à la tout, boum, élection pas le fait. Mais pas grand rien de changer. Pas grand rien qui change. Maintenant, il faut comprendre que, dans situation ça, on va venir assister au troisième cas. Troisième cas, c'est l'avènement de Jovenel. L'avènement de Jovenel, c'est que Jovenel pourrait paraître lui-même. Toujours dans même démarche populiste. Sorti dans Duvalier, tombé dans Aristide, première version, deuxième version, populiste. Troisième démarche là, c'est Jovenel. Les Jovenel vini lui-même avec un discours, ok? Et banane, ok, Jovenel vini, yo voté, li monte au pouvoir. Mais là, Jovenel monte au pouvoir, Jovenel commence conscient que li va gen pouvoir réellement. Li va gen pouvoir, et pour cela, gen des décisions, gen des réformes, gen des bagages, li va gen fait. Maintenant, faut nous prêter attention. Les monsieur rendent compte li va gen pouvoir. Monsieur va essayer de faire toute tentative pour reconcentrer pouvoir ou non. Parce que, à quoi ça sert pour monter, pour conquérir le pouvoir avec une légitimité populaire, avec ça nous t'es capable de légitimité populaire, un discours populiste, mais l'arrivé dans l'État où il y a le pouvoir réel. Maintenant, l'on regarde où est-ce qu'on a l'agrément qui est en face, où il y a une décision pour contre. C'est Chita Yodou, Chita fait ça. Maintenant, Jovenel va décider pour le prendre bagaille en main. Eh bien, mes chers amis, c'est dans le processus de consolidation de pouvoir, ça, que Jovenel pral faire un série de erreurs. Premier bagaille, il pral faire erreur, c'est que il pral monter à équipe, lui. C'est un individu. Aristide lui-même, t'es monté à équipe, lui. Il t'est monté à parti, lui. La valasse, qui fait que il pral consolider, il pral faire un titan sous pouvoir. Mais Jovenel, en quelque sorte, il pral monter à équipe, lui. Il t'est monté, en quelque sorte, sous bannière PHTK. Et PHTK, c'est allégeance li avec Matéli. Jovenel, c'est quand on est qui était isolé dans le pouvoir, il y a balkenbe pouvoir pour le remettre li bas. Mais pour Jovenel lui-même, besoin fait bah résultat, elle arrive dans tête l'état, conscient, il commence à ouais, on sait des bagages qu'a fait. Maintenant, monsieur dit bon, il faut que paramètres yo changer. Maintenant, c'est à partir de là que malheureusement Jovenel va entourer tête li avec un série de nègres avec doctorat qui va la gueule la courir. Maintenant, nèg doctorat, ça, yo, Jovenel te fait confiance en ville. Nèg qui a préclamé tête de Jovenel, je dis, et c'est ça qui parle cause Jovenel mourir. Parce que, en réalité, nèg doctorat, ça, yo fait théorie dans le livre. Mais yo pas maîtriser les rouillages de l'État. Bon, c'est des joueurs souterrains qui font, qui comprennent l'État bien, et qui maîtrisent les mécanismes de l'État, yo. Eh bien, les amateurs, yo pas, yo jeune avec Jovenel, yo même tout, yo dans l'apprentissage. Eh bien, Jovenel pral fond, yo pral conseiller Jovenel, on sait des bagay yo li nan livre, mais dans la pratique du pouvoir, bagay yo complètement différent. Eh bien, c'est comme ça Jovenel pral fond, c'est des faux pas qui pral cause Jovenel mouri. Yo assassiné Jovenel. Maintenant, yo reproché Jovenel que et dictature, c'est discours classique pour déstabiliser l'État pouvoir. Mais le pire, c'est que pas de monde qui te pensait que nèg yo t'a privé dans dimension assassinat. C'est vrai, nous, tout démarche, c'est exil. Duvalier, fils, exil. Jean-Claude, exil. Aristide, exil de foi. Maintenant, nous t'a dit que Jovenel, en quelque sorte, c'est l'exil. Yo t'a bal l'exil. Mais maintenant, nèg yo besoin finir avec question populiste ça. Et nèg yo vini, yo assassiné Jovenel même pour vous un message clair. Bah, quel que soit nèg qui ont tendance, prend pouvoir de façon populiste, avec un discours populiste, et pour t'arriver au timon des affaires de l'État,
pensant qu'on pourra consolider pouvoir à travers une démarche autocratique et dictatoriale, y a mangé ou y a assassiné ou, mais qui sort, qui réservé pour ou. Eh bien, mes chers amis, dans le contexte ça, les n'ap gade bien, après Jovenel, yo vin ba nous même résultat, même modèle nous te gen après Aristide en 2004. Ou gen un conseil des sages, qui lui même jounen jodi a se conseil et présidentiel transition, de transition. Et puis, ou gen premier ministre qui te la tortue, kon yo gen premier ministre qui sorti dans international la, qui international la imposé, yo rele Gari Koni. Même schéma avec même mission, mission c'est sécurité, ok, établir sécurité, créer conditions sécuritaires, faire élection et puis réforme constitutionnelle. Même bagala, même agenda que qui te gagne, hein? C'est même agenda ça, nous venons là, je vous dis là, avec un gouvernement de transition ça que nous assistons là. Mais de qui ça nous tire comme conclusion nous-mêmes au niveau du Bossal? Au niveau du mouvement Bossal, nous tirons une conclusion. À partir des études que nous faisons sur période ça, nous venons nous compte qu'il y a deux extrêmes. Deux extrêmes en dedans pays d'Haïti qui bataille pour prendre contrôle de l'État. Dans deux extrêmes, vous avez d'un côté le peuple, ça nous relève masse populaire. Masse populaire, c'est lui qui bat légitimité populaire. C'est devant pour aller, pour prendre élection, pour aller dans l'élection. Mais si nous regardons bien, mes chers amis, masse populaire, ça, un, li analphabète, li pa konn li, deux, li pa gon conscience politique, et trois, li vulnérable à cause de conditions socio-économiques li. Ce qui fait que masse populaire là vin sujet à toute forme de manipulation. C'est-à-dire, c'est pas une masse qui consciente, c'est pas une masse qui compte salvele, c'est une masse, en quelque sorte, peuple que yo capable manipuler à n'importe quel moment. Yo fèl avec Duvalier, yo fèl avec Aristide, yo fèl avec Jovenel, et journée jodi là, même masse pep ça, qui pa konn li ki analfabet, qui pa gon conscience historique, yo conscience politique, et qui pa, en quelque sorte, et qui vulnérable, même masse pep ça jodi là, c'est lui même yo pral manipuler encore à travers les appareils idéologiques, pour yo capable utiliser à travers yon simulac de démocratie, ça va y aurait les élections, yo pral voter vaille que vaille pour faire tol avec slogan, et puis s'entendre à là, yo pral voter et puis yo pral bailler un président. Maintenant remarquez, ça c'est la c'est légitimité populaire de base pour moun prendre pouvoir. C'est ça l'Occident imposé, voie démocratique, élection universelle, crédible, bagay bullshit. Maintenant nèg yo comprendre game nan en quelque sorte. Nèg yo créé gang yo même pour gagner contrôle territoire politique yo. C'est-à-dire chaque gang yo, groupe gang yo a protégé intérêt territorial pour les élections de quoi pour gagner contrôle en quelque sorte, ça y aurait les bureaux de vote yo pour yo orienter vote yo dans gens yo voulez pour faire des autres ça oublie. Et raison d'être sécurité insécurité là. Maintenant c'est ça fait en réalité les pour président pour qu'on y t'avait fait élection là, en quelque sorte, faut t'a garanti sécurité dans zone ça ou dans région, dans région métropolitaine, non, pour le capable permettre à ce que nèg yo mette baisser les, et déposer les armes, remettre les armes yo, et puis qu'on y a pour permettre à ce que l'État, à travers l'armée, à travers la police, reprend contrôle zone ça yo, pour capable organiser élection. Et c'est ça que nous avons dit, nous parlé de dialogue avec Gangyo, nous avons parlé de amnesty, nous avons parlé de tout bagage. Le problème, l'enjeu, c'est un enjeu électoral lié. Et là, dire que, depuis pour gagner l'élection, faut territoire, en quelque sorte, pour l'élection, ça t'a libre et crédible et intègre, faut territoire, en quelque sorte, pas t'as sous contrôle gang. Parce que Gangyo gagne mettre. Et mettre Gangyo, qui gagne gang yo zam, yo gagne ambition politique. Yo besoin vin sénateur, yo besoin vin député, et yo besoin vini président. So basically, en quelque sorte, la difficile pour, et Gari Koni, ta vin mande gang yo, en quelque sorte, pour yo remettre zam. Gang yo, ka dépose les zam,
Mais si Gary Conny vient dit l'a combattre insécurité, c'est menti. Gary Conny pas qu'à combattre insécurité parce que les intérêts politiques, économiques tellement yo tellement en jeu là, li pas possible pour nèg yo al déposer gang zam. Yo n'a pas pour me comprendre de gang yo. Gang yo gen deux axes. Y a géré. Y a géré un territoire économique, y a géré un territoire politique. Territoire économique, là, il y a deux dimensions là-dedans. Économie informelle, économie formelle. Il y a de grands entrepreneurs, entreprises en dedans pays d'Haïti, en quelque sorte, c'est de gros hommes d'affaires, ils sont obligés de dire la gang yo pour gang yo qu'à protéger business yo et protéger territoire de façon à ce que l'autre monde pas vienne investir dans territoire. Ça veut dire, nèg la, gen contrôle territoire ça, c'est market lié. C'est lui-même qui gagne business dans zone ça, pas qui, il pas quitter concurrent, vient entrer dans zone ça, il paye gang pour fusion, il paye gang pour bulle business ou, parce que c'est celle lui-même en quelque sorte qui pour gagne contrôle, qui pour faire business dans zone ça. Ça c'est intérêt économique formel. OK? Ou gagne intérêt économique informel. Informel c'est le sens que gagne des territoires que gang yo contrôler, c'est pour yo ka passer drogue avec fait trafic moun. Drogue dans le sens que gende conteneur drogue qui passé faut nèg gang yo en quelque sorte gen contrôle territoire ça pour empêcher la police ou bien l'état passer avec gang yo avec drogue là c'est pour empêcher l'état avec la police bloquer drogue là pour pas passer et bien drogue yo passer easy à cause de contrôle gang nèg yo gen c'est-à-dire les grands sénateurs grands députés on sait des nèg qui dans trafic drogue automatiquement yo utilisé gang yo pour yo capable faciliter et trafic drogue là comment drogue là circuler dans espace de tel de point A à point B ça fait partie de économie informelle là ça relève crimes et transnational organisé maintenant intérêt politique là c'est ça nous dit à l'heure c'est question élection nèg là dans territoire ça c'est lit pour élu c'est lit besoin député sénateur yo met tête ensemble yo gen contrôle gang za yo et bien parti politique qui parle lui, hein? Lui depuis yo quadrillé et zone na gang et bien gang ça yo gen contrôle bureau de vote yo et bien automatiquement peuple la vraiment pas pas voter à cause de gang yo k'ap bay pression et bien nèg yo tout rempli bureau de vote yo avec une série de bulletins qui déjà gen vote la donne et puis s'attendait à là autant de sénateurs ça élu député ça élu dans telle circonscription parce que nèg yo gen contrôle gang yo qui prend contrôle bureau de vote yo et puis yo décider de outcome élection. Maintenant dans deux dimensions ça comment Gary Conny pour faire adresser problème là. Gary Conny a parlé de remettre les âmes. C'est pas aussi facile. Nèg yo a dialogue, oui dialogue pour qui ça? Pour déposer les âmes, nèg yo pas déposer les âmes facile comme ça. Parce que si on dit nèg yo déposer les âmes. Maintenant ça te parle passer l'état à travers la police, à travers l'armée, à travers nèg sa ou pral prendre contrôle territoire sa yo. Maintenant, élection on pral faite de façon légitime, bien bonjour. Maintenant, qui sa pral faire avec policier sa yo? Qui sa pral faire avec gang sa yo? Faut gang sa yo, ta go commission qui vous dit comment yo fait jeune zam, c'est si c'est là qui est-ce qui te baille aux âmes, pour qui entrepreneur yo tap travail, pour qui businessman yo tap travail, pour qui politicien yo tap travail. Et puis qu'on y a là pour déraciner question insécurité en dedans pays. Mais si n'a regardé bien démarche là, c'est pour des mal de remettre zam, mais c'est une démarche plutôt de déposer les âmes. Déposer les âmes pas même bagarre avec remettre zam. Déposer les âmes c'est que nèg yo déposer les âmes avec garantie que en quelque sorte on sait des bagarre pas fait. Sinon c'est guerre, c'est coup de zam qu'a fait qu'a marié. OK? Bon. Maintenant, qui ça qui posait comme problématique? Élection pour le faire. Condition sécurité, elle a pas le baisser parce que, y'a pas le non deal avec gang yo, avec chef gang yo, avec moun qui responsable gang yo, pour y'a faire élection. Et après élection. Dans l'élection, ça, États-Unis pour le faire ni chef gang yo, ni l'Occident pour le faire ni maître gang yo, ni moun qui responsable gang yo, c'est ça qui fait d'ailleurs, y'a sanction. Sanction yo, son façon pour tirer les oreilles, nèg politiciens qui gen contrôle en série de gangs en dedans pays. Ceci étant dit, gang yo, en quelque sorte, yo pral aligner yo,
de façon à ce que élection faite et pour candidat élection pas yo a passé. Qui ça nous va le gagner? Nous va le gagner en quelque sorte deux scénarios. C'est soit nous jeunes candidats pro américains, yo candidat c'est blanc qui mettel mais qui pas vraiment gain légitimité populaire. Ou bien nous jouons nos candidats populistes. Yo candidat qui gon discours populaire, peuple la remè, vle marcher avec elle et qui moute dans tête l'État. Qui différence qui gagne deux nexao? Différence qui gagne deux nexao, joue système nan ke blanc pral élu, tapap ta élu, c'est que s'il rive dans l'État, li pa pral travail pour peuple. Li pral vin gon comportement même ya mateli, li pral vin gon comportement même ya avec un comportement même j'ai avec René Prival. Neuf ça c'est travail blanc le bal fait. Il pas qu'est pour peuple, si peuple a manger, si peuple vivre, si peuple grand goût, et donc il veut fuck. C'est travail blanc le bal fait. Yo élu pour 5 ans ou bien 4 ans et puis s'entendait à toute agenda yo c'est bagaille blanc qu'a régler. Ou bien c'est yo nèg qui populaire qui vient en discours populiste qui résonne dans oreille peuple là. Et puis, le peuple a décidé, ok, nous allons voter Nexa n'a pas lavé. Maintenant, le problème qui est, c'est que Nexa a un discours qui dérange. L'elle rive au timon des affaires de l'État, il va consolider le pouvoir dans le monde. Il va faire réforme. Il va couper une série de contrats. Il va combattre la corruption. Il va, en quelque sorte, faire une série de bagailles que le système n'est pas d'accord. Il va et redéfinir rapport et Haïti avec Occident, avec international là. Maintenant, qui sort qui va le réserver, monsieur? Si monsieur, je parle pas monsieur en opposition. Première fois en opposition, je parle pas monsieur en opposition institutionnelle. Il parle d'une opposition dans le parlement. Je parle préparer un parlement pour lui, comme un bulldozer qui vous campe en face. Si monsieur arrive à mater, en quelque sorte, opposition institutionnelle là, je parle yo pral déplacer opposition pour de opposition vienne tomber dans média. Maintenant on va avoir opposition médiatique. Opposition médiatique c'est que on pral voir des hommes et des femmes en quelque sorte qui parlent dans média commencer à questionner démarche monsieur gouvernement, légitimité gouvernement et politique gouvernement, dictature bagaille. Après ça on va venir une opposition formelle. Opposition formelle ce sont les partis politiques qui pral organiser yo en opposition dans la rue contre le pouvoir et régime. C'est là de parler jeune des hommes qui parlent camper en chef opposition politique qu'on y a là, ça va le faire, yo va commencer faire manifestation, commencer faire grève, bloquer pays pour créer une situation de crise dans menek ça et nek la pa gen l'autre choix que rétalier à travers les forces régaliennes de l'État pour maintenir l'ordre et la sécurité. Maintenant, yo va commencer à accuser le dictature. Je vais commencer à remettre la question. Et petit à petit, la société civile va le fouiller tête là dans l'opposition. Parce que pour qui raison? Parce que Jouéa n'est pas joué l'Occident. Pour qui raison? Parce que Jouéa vient à faire des réformes. Et il prend pouvoir avec légitimité populaire, discours populiste. Mais elle arrive dans tête l'État, il n'a pas fait rien. Il prend le bataille pour voir s'il a changé causé. Qu'on a l'État pour le centre Boundali. Et puis s'entendre à mettre l'opposition institutionnelle en face, opposition et politique. Dans la rue, opposition et société civile pour le rejoindre, l'église et entreprise, tout bagage ça pour l'entrer dans bataille contre elle et puis s'entendre à la tour. Tout système là pour lever contre monsieur pour demander de parler. Maintenant si monsieur insister, si monsieur insister dans kembe pouvoir parce que pas oublier contradiction interne, pas qu'à vider la tête. Si monsieur insister dans kembe pouvoir alors que l'opposition est arrivée à maturité limite, parce que pas gagné l'autre force encore pour l'opposition, yo pral créer yon bagay. Yo pral faire monsieur font erreur géopolitique et stratégique. Yo pral faire monsieur tourner soit vers l'Orient, soit avec la Chine, soit avec la Russie, pour yo ka jwenn un alibi pour que blanc l'Occident yo capable fouiller pied dans la situation pour manger monsieur. Eh bien, c'est comme ça. Je vais faire monsieur font coup de quatre.
parce que situation pour générer dégénérer dans même li va battre pour tourner vers international là ce soit tourner vers Onko Sam avec coup de cob la ballon lobby et puis international là Onko Sam a kembe monsieur OK OEA a kembe monsieur OK institution internationale yo a kembe monsieur même les gen opposition sous territoire même les gen opposition politique mais depuis international là kembe monsieur Washington kembe monsieur OEA kembe monsieur l'ONU kembe monsieur monsieur a prêté mais go face yo ka faut faire erreur et là, il faut faire, il va le faire monsieur à l'entrée en bas votre Poutine ou bien à l'entrée en bas votre Venezuela ou bien à l'entrée en bas votre la Chine. Eh bien, depuis vous faites erreur géopolitique et stratégique ça, automatiquement l'Occident et toute communauté internationale là livrez-vous dans quel sens? Ce soit coup d'État. Les hommes bon coup d'État, y a des problèmes. Aristide pas mourir dans deux coups d'État ça y c'est parce que en quelque sorte coup d'État Aristide yo, c'est coup d'État entre eux qui est l'Occident tape bataille entre eux. C'est la France avec États-Unis qui était entre eux. C'est-à-dire Aristide était toujours en dedans l'Occident. Aristide pas allé vers la Chine, Aristide pas allé vers la Russie. Aristide pas aller vers pays ça yo. Aristide est toujours été en Occident. C'est peut-être ça, n'est-ce pas à manger, Aristide. Maintenant, là où était ou déplacé, ou aller, ou quitter l'Occident, ou aller dans, en Orient, ou aller en Turquie, ou aller et la Chine, ou aller et la Russie, automatiquement, ou signer ça, ou aller arrêt de mort. Claire. Pas de menti de là. Parce que, depuis ou fait ça, ou violer un principe qui est plus fondamental, qui dégage dans l'existence intérêt américain. Et, à ce titre-là, y a pas qu'à bon coup d'état classique. Ok? Coup d'état classique là-bas, bon. Faut y tracer un exemple avant, pour y faut comprendre que, même les ou après coup en Occident, faut rester en Occident. Même leur parrain, mais j'en Occident a fonctionné, faut rester en Occident. Même leur parrain, mais paramètres, faut rester en Occident. Pour cela, ou besoin de nègres, ou besoin de monde qui a conviction. Monde qui va pas mourir. Monde qui pour vraiment bataille, qui pour renverser ce système-là. Ça me saute décrit, bah, nous, là, son système qui est en place, qui a 4 niveaux, depuis 1806. Cap opéré en dedans pays d'Haïti. Et système ça, seule façon pour qu'on travaille sérieux de faire là-dedans, c'est une révolution. Maintenant, pour quelle raison c'est révolution pour nous? Qui révolution pour nous? Ou pour une révolution, premièrement idéologique, en matière de mentalité. Faut faire un travail d'éducation, de masse, pour que le peuple commence à comprendre qui ça, ce dont il est question. Qui vrai ennemi? Qui est-ce qui ennemi peuple? Faut que le peuple commence à conscient que, conseil de concept, faut y redéfinir. Pour cela, un travail mental qui vous est fait, une décolonisation qui vous est faite au niveau mental. C'est une forme de révolution mentale liée. Deuxième bagaille pour nous considérer, c'est que, dans la dynamique ça nous gagne là, bataille pour révolution à coucher, hein, c'est une bataille qui est simple, c'est une bataille qui est isolée. Gonse des paramètres, faut maîtriser, faut jongler. Et, c'est là tout problème là. Parce que, pour accoucher révolution ça, pour son river. Parce que le système n'a déjà tombé là. Mais ce qui est important, ok? Ce qui est important, c'est que, pour révolution, ça a fait, pour réussir, faut qu'il y ait deux niveaux là-dedans. Faut qu'il y ait un niveau populaire,
Mais il faut un niveau stratégique. Stratégique, c'est-à-dire faut un noyau dur, un comité révolutionnaire qui pourra réfléchir avec les grandes orientations stratégiques, non seulement en matière de politique extérieure, mais aussi en matière de politique interne, pour contrecarrer les contradictions internes. Il faut tout d'abord identifier les grands enjeux stratégiques au niveau interne, ça nous relève géopolitique interne, faire une évaluation claire de ressources que nous gagnons à disposition, nous, qui ça nous gagne, et qui ça nous a offert sous scène internationale là. Mettez aux alentours des hommes et des femmes qui conscients de sa révolution. Révolution n'est pas seulement pour un peuple. Ok, peuple, révolution pour puis l'aime pour pouvoir, non? Non. Faut, prendre pouvoir avec peuple là, c'est yon. Consolider pouvoir, c'est deux. Parce que, le fin pour pouvoir, c'est yon. Pour casser un système, non, pour finir un système, non. C'est deux. Parce que, tout où il y a le système, non. C'est lui-même qui marre l'État. C'est ça qui fait l'État pétion, hein. Il n'y a pas qu'à bailler résultat. Qu'on y a pour changer, bouche l'État pétion, hein. Pour changer direction bateau, hein. Faut prendre contrôle tout bateau, hein, net. Si vous pas prendre contrôle tout bateau, hein. Pilotage du bateau, ça. Ou pas qu'à changer direction. Ok? Ou pas qu'à changer direction. Parce que soit il doit changer direction bateau, ça, là. Sans que ou pas un bon équipage avant. Eh ben, n'est qui vicieux, qui grand goût, qui est impliqué dans ces bagailles. M'a parlé des hommes et des femmes, en quelque sorte, qui conscient de réalité systémique pays, hein, qui gagne de grands projets, de grands travaux, et des grandes orientations claires, et puis qui gagne une idéologie, ok, qui bien définie, qui chita sur des concepts solides, des concepts clairs, avec des feuilles de route, pour nous connaître qui côté nous braler. C'est seule façon pour nous accoucher un nouveau ordre social en dedans pays ça. OK? Maintenant, c'est vrai, faut identifier faiblesse, faut faire évaluation terrain, hein? Faut garder force et faiblesse système là pour sout arriver au pouvoir, pour qu'on ait comment on va gérer pouvoir sans ça va finir dans un coup d'état ou bien avec un assassinat qui tout est populiste, qui tout pas populiste, modèle ça m'a parlé à la. M'a parlé d'un modèle à la Poutine, m'a parlé d'un modèle à la comment il est là, partenaire la Turquie, modèle ça ou bien un parti unique, faut capable en quelque sorte maîtriser ça ou il est et faut capable maîtriser ça ou il est contradiction interne en dedans pays d'Haïti. Sou pou ka maîtriser contradiction interne yo en dedans pays d'Haïti au niveau métaphysique. OK? Au niveau métaphysique. Au niveau géopolitique et stratégique. Au niveau sou pa ka fè ça. Mwen bon garanti. C'est tété on fait. C'est ça que fait. Gen yon moun ki te pose une question sou leadership révolution. Leadership révolution. Ou pas la, ou pas la gueule, ou pas parler des bagages comme ça va qui va. Leadership révolution, son bagage qui pour bien réfléchir, ou pas prendre révolution pour la gueule, non mais un seul monde. Seul monde fou qui vous a fait ça. Révolution par révolution, pas l'affaire d'un homme. L'évolution, c'est l'affaire de, c'est l'affaire d'un noyau dur, idéologiquement. Consolidaire avec une vision claire et avec un engagement sérieux. Ou, c'est ça que fait toujours parler de comité révolutionnaire. Ou pas qu'à la révolution pour la guerre nommé un seul individu. Sous la guerre révolution nommé individu, il pas fait depuis au tuer lui, révolution de mourir. Révolution, supposé l'affaire de un noyau dur qui conscient qui gon idéologie qui claire
qui ont une vision qui est claire, ok? Qui, des hommes qui prennent engagement, qui consentit, ok? Nous décider, avec engagement ça, pour nous renverser l'ordre des choses, pour nous établir un nouvel ordre social. Ça, c'est ce qu'on appelle le leadership. Leadership, ça, c'est un leadership collectif, clair, avec des stratèges, avec des idéologues, avec des visionnaires, ok? Avec des stratèges, des idéologues, des visionnaires, des philosophes avérés, qui conscients, qui ont une conscience historique, qui ont une idéologie claire, ok? Qui ont une vision arrêtée de ce qu'a Haïti supposé. Et pour cela, vous êtes obligé de définir ensemble de critères qui vous permettent en quelque sorte ou identifier les individus qui sont capables à la hauteur pour constituer ce noyau dur qui c'est quoi en quelque sorte révolution pour faire partie là-dedans. Sinon, caca poule qu'a fait. Sinon, errance. Et c'est ça, je dis à la Mabdi. M'a toujours dit vive révolution, vive la révolution. Parce que c'est ça, n'a pas travaillé sur lui. Yon n'a pas m'a dit nous, pour nous remarquer. Et moi, je dis ça, je dis à la. Gen moun qui wè que, gon affiche, qui fait, entre moi-même avec Guy Philippe. Moi, Guy Philippe, nous chita, nous parler ensemble, comme nous se parler avec plusieurs l'autre acteur, nous chita nous parler, ok? Nous avons défini un clair, ok? Pas grand un. Cependant, nous clair sur révolution, nous clair sur vision sur vision. Et d'ailleurs, nous tous les deux, nous besoin l'autre Haïti, nous avons l'autre vision d'Haïti, nous d'accord que le système ça l'effondrer, nous d'accord que classe politique ça l'effini, nous d'accord en quelque sorte, nous d'accord sur et à évaluation et assessment que nous fait de situation pays d'Haïti là. Nous chita en tant que deux hommes politiques, nous discuter de état des choses. Maintenant, nous parler aussi en matière de vision. En matière de vision de qui ça révolution. C'est vrai, on a besoin des différences. A toujours ça existé, mais les différences sont capables toujours et mettre ça et de côté. Mais attendez bien ça m'a dit là, je dis là. Moi même banan nèg, banan moun k'ap vinn ranse, k'ap vinn di a qui est-ce m'doit parler. Depuis Eli Doye, ou pas quitter ti pep, ou pas quitter moun influence ou. Là Eli Doye c'est ou d'influencer, c'est ou ba les grandes directions, c'est ou définir les grandes lignes. Ou pas prendre rapportage nan men moun. Ou pas ka leader pour quitter moun ap manipuler ou, pour quitter moun ap mener ou. Pour qui t'es a décidé des sorties qui bon non sinon pas ou pas la hauteur pour leader yon leader pas dans tripotaille yon leader pas ka prétendre c'est moun k'ap vinn dil oh oui et tel papa la non et leader et ou qui k'ap lead c'est ou k'ap bay direction c'est ou k'ap bay les grandes orientations c'est ou k'ap mener c'est ou k'ap bay qui route qui pou faire pas gen moun qui pou juger qui est ou doit parler qui est ou pas doit parler valeur morale. Pas qu'il n'y ait qui a décidé de ça. Et mon gars dit, oh oui, ou pas qu'à parler à ça. Non. Pas qu'il n'y ait qui a décidé, le leader lié à qui est-ce qu'il doit parler, à qui est-ce qu'il doit parler. Yon leader, c'est lui-même qui doit connaître à qui est-ce qu'il doit parler, à qui est-ce qu'il doit parler. Peuple, ou doit faire le leader. Ou a gagné pour dire, avec un leader qui a mené. Sinon, ou même ou t'as là, non place leader pour mener. Non. Ou pas placer pour ça. Et deuxième bagage qui est important, yon leader, chita yon moun, pou l'parler avec elle. Ou ge, moun nan ge doit ge flow moral. Li ge doit te, yon dit tel bagay. Ok? Yon ge doit dire, oui, on peut par exemple. Yon nan bagay a préproché Guy. Yap dit Guy Philippe, oh oui, c'est doit dire, yon condamne les États-Unis, pour ceci, c'est là, et Trump. Et Trump, yon pas condamné Trump. Yon pas condamné Trump qui ge 34, ceci, c'est là, comme, yon pas convict Trump. Pas qui même mon gars vient faire macaque a vient jouer bah c'est non Léon a une vision ça qui intéresse moi est-ce que mon gars a une vision maintenant mon gars a une vision m'chita m'discuter vision à elle m'discuter qui perspective qui a gagné
qui allait. Mon avis de oui. De quoi mon avis de oui, c'est drogue, c'est la menti. Parce que il y a agenda pâle. Pour occuper moun, qui vient menon, qui vient de oui, papa parler à Guy Philippe, parce que si, debout leader dans tripotaille. Mais on n'a pas m'a dit, debout leader, ou dans tripotaille, ou dans faisait des comptes, mon avis de mon avis de à gauche, mon avis de à droite, mon avis influence ou beaucoup leader. Yon leader, c'est où cap mené? C'est où cap évalué? C'est où qui lead là? C'est où qui lead là? Eh ben oui, oh dal moun oui, oh comment faire? Ou nan Guy Philippe, ou nan session nan cela. Moi ça veut dire. Ça veut dire voilà. Oh oui, c'est criminel c'est là. Gen moun ki pa criminel. Pas gen moun ki pa criminel nan taon nan là non. Pas gen moun ki pa criminel nan monde nan là. Maintenant, ce qui est important, est-ce que objectif, la vision, mission, li noble? Est-ce que la cause est noble? Si la cause est noble, ou qu'a fait absolution? Ou ça dit la prof, oui. Eh ben, grand leader, Mabdoula. M'a passé dans l'école Kokorat, non, moi-même. M'fait grandes études. M'étudier ça, ou les fondements moraux du leadership. M'étudier ça, ou les relativisme moral. Mais tu dis ça définit un caractère leadership adapté. Mais tu dis bagage, pas quelqu'un qui ka vinn prendre pour égaré en matière de leadership. Yon leader pour chita ou parler avec, ou ka chita ou parler avec n'importe moun nan. Il suffit que gon vision. OK? Il suffit que gon vision. OK? Wap di m konya ou oui, yo condamné l. Yo condamné l wat. Si c'est problème condamnation ki gen. Gen moun jounen jodi a pa chrétien. Pa yo de condamné Jésus tout. Yo juge Jésus, yo condamné Jésus comme malfecteur. Kon a jounen jodi a pa prier Jésus. Un moun ka vin radoter nan figi moun, bêtiser nan figi moun. C'est pas ça le problème moi. C'est pas ça le problème moi. Moi même, m'gon côté m'brali. M'gen une vision. M'gon idéologie. M'gen un côté m'vle rive. Besoin les compétences. Besoin des hommes qui à la hauteur, qui ka bay résultat, qui ka accouché, ça me besoin accomplir. Maintenant question considération morale, considération ça oui. D'accord avec vous. Oui, bagage ça gagne l'heure. Yo gagne moment pa yo. À chacun sa place, à chacun son rôle, à chacun sa position. Clair. Et pour définir paramètres ou qui sont besoin. OK, gon moun ki dit on lè ou OK, ou faut comprendre dynamique là. Ou pas dans compromission avec moun. Mon pas placé pour décider de valeur morale yon nèg ki condamné dans prison. Non, et pas job moi. Ça il revient à la justice pour faire travail pal. A la job pam. Et a fait nèg ki gen problème avec. Yo oblige à faire des comptes, faire tripotaille sur moi. Ou mettre faire tripotaille, j'en vle. Da yon baker de tripotaille moun. Baker de sa moun pense. Vle pas vle révolution a fait. Et m'di sa yo di a la. M'di sa clé sou li. Et fa wak, ouais, moi même, m'ba bate même j'a tout moun. M'son est qui patient. Parce que le temps, son gros bagali. M'ba bate avec tout moun. M'ba lead même j'a tout moun. Geneg, m'choisi pas chita avec yo. C'est une question de principe. Mais genet, m'ka chita avec ou m're chita avec encore. Maintenant, le problème qui se pose. Ou ap jeune nèg qui gen comportement, ou ap jeune nèg qui gen comportement, et mesdames qui gen, qui politicien. Maintenant, ou pas ka leader en révolution pour gen comportement politicien. Ou ap victime. Allez, comme politicien, c'est un camouflage lié. C'est un camouflage lié. Maintenant, ceci étant dit, si, jounen yo di an, gen moun k ap di oui, gen moun k ap relèm, yo di sa fè nan gi, sa prêche nan gi, de, mwen wò gen bagay ou mete gi, c'est si c'est là. On li demye. Ou pa ka influence ma ki esm de chita. Maintenant, sa fè gade gi, si gi son nèg ki influençable. Mwen même ba influençable. Même non vrai leader, m clair sou sa. Et mwen défini orientation. Et mwen défini vision. Et mwen défini ligne mwen. M'toujours dit ça. Sou wèm tombe, non tout, et mwen vide tête mwen nan toi.
pas de monde qui a poussé ni influencé à mettre tête dans tout. Non. Parce que je ne regrette pas deux fois. Je ne regrette pas que je me tente dans le nez et me tombe dans tout. Non. Je vais faire un lit en pile. Moi, je lis, moi, j'étudie en pile, moi, j'apprends en pile, moi, j'observe en pile. Et si je suis un monde, je besoin de guidance, je besoin de conseil, c'est celle chef, moi, c'est Jésus-Christ, je mets à genoux, je demande la direction, je ne comprends pas mon bagage, je ne confie pas à l'homme, je confie à lui-même pour le révéler, pour dire, mais qui ça me voulait, mais qui soit pour faire, mais qui direction doit prendre, c'est celle Jésus-Christ que me fait confiance. Je n'ai personne, mon confiance encore. Et elle fait, ouais, moi-même, je dis, je ne vais pas prendre dans même monde. Ou capable de me sauver, ou capable de parler sauver, ou capable de dire oui papa les a gi c'est drogue dealer, yon condamné, yon criminel, ça y est ou même. C'est pas qui gado. Ou pas décider à qui est-ce nous doit parler. Ton leader mien, il a fait gagner qui parle même. Pa yon haïtien vicieux, yon grand goût. Yon remen vinn ba leader tripotaille pour yon capable manger. Moi même net pas ka vinn bon tripotaille pour manger. Ou ap manje selon compétence ou. Ou ap manje selon force travail ou. Ou ap manje selon soit planté pour récolter. Mon baga vin mande et manje parce qu'on a bay l'idée à tripotaille. Parce qu'on a bay l'idée à faire des comptes. Parce qu'on a bat pour, ou a vin bay l'idée à mentir, manipuler l'idée. Et grand pile l'idée qui met pays à côté l'IA, c'est nan remè faire des comptes, nan remè flatterie. Ou baga leader pour remè flatterie. Ou baga leader pour remè mon ap vin bon faire des comptes. Ou pas qu'un leader pour nan lang lang. Non. Moi-même, m'ba nan lang lang, moi-même. M'ba nan faisait des comptes. M'ba nan prend tripotaille nan mes personnes. Et révolution, la fête. Et y'a moun kabine dit m'se si c'est là, kabine parler, kabine du côté, qui ça nous pensait, de Guy. Ou pas qu'un réduire révolution avec Guy. Révolution pays d'Haïti. Crise systémique, là. En dedans pays d'Haïti. Ou pas qu'un réduire la Guy. Bagarre tu la Guy. Guy fait partie de leadership pays d'Haïti. Et pas Guy seulement qui concerné. C'est pas Guy seulement qui concerné, non. Pas ça qui a passé en Haïti. Ou même tout, ou t'as supposé un acteur principal, oui, dans le mouvement, dans la révolution. Parce que c'est haïtien, ou gen conscience historique, ou voulez retirer pays ou dans sa lia. La révolution est l'affaire de tout le monde. Révolution, c'est l'organisation des forces de la nation autour d'une vision, autour de une nouvelle Haïti. C'est l'organisation, c'est structuration de forces nous, de capacité nous, pour nous accoucher en nouvelle société. Maintenant, erreur qui fait, c'est que depuis la révolution, nous réduit la individu. Et pas vrai. Et pas vrai. Pas de monde qui comprend bien, on va réduire la révolution. Révolution, c'est bagaille au noyau. Révolution, c'est bagaille des hommes, de caractère. Moun qui comprennent que pays ça, li doit prendre l'autre direction. On seul nèg pas faire révolution menti. N'importe moun qui t'a dit on seul nèg qui faire révolution dit menti. Ça va jamais fait dans l'histoire. Il faut des hommes. Il faut une vision. Il faut une idéologie. Une philosophie. Yon nouvelle vision sur notre Haïti. Et vous avez des hommes qui d'accord, qui prennent engagement ou qui ont une conscience de, qui sont conscients de réalité ça. Ok? Ou bien des stratèges, ou bien des philosophes, ou bien des intellectuels, ou bien des métaphysiciens, ou bien des hommes qui ont réfléchi sous direction ou les grandes orientations et qui décision qu'a prend. Maintenant, si je ne dis pas parler de révolution, ma prône révolution, et puis qu'on y a dit moi m'a de chita avec Guy, à maman a pas pour ma chita, à maman a pas pour ma chita, ma prône révolution. Et qu'on y a pour dire m'ba de chita à Guy, parce que Guy se doit dire, eh bien, avec poil maman ou mal chita, avec poil papa ou mal chita, qui chita la kap manje patate si, mango francik, bouilli, kap pete senti, et green balap tire dans moundal, wap di ma qui est, pour mal chita. Moi même, m'son homme de conviction. Gen mounou qui doit pem, à kin ke les, ou kap pem jonvli, ou kap bay tripotage sou mou jonvli. Ou ka fait faire des comptes j'en veux ou ka fait complot sous moi comme j'en veux mais ça va ka faire paix et m'bon garantie ça va ka faire paix m'pa gen nèg moi paix dans la république un nèg ka faire des comptes pas ka faire paix en vérité Dieu ça va faire paix
Gros sel nèg mwen pè. M'appelle nous mremen. Le Jésus-Christ c'est le chef mwen. C'est devant seulement plier genou. M'arrête avec personne. Pas une pièce mortelle sous terre ça te fait m'pè. Menti. Menti, ça pas existé. M'ap mouri et m'ap mouri facile. M'ap mouri les mecs mwen vle. Mais à faire penser que ou pral faire m'pè, ou pral intimider, m'dan de nèg a vin di mouri, puis go ou pral faire bagala États-Unis, Marathon, puis go mette Guy Philippe la donne, puis go ceci cela. Who the fuck are you? Pour dire que je mette Guy Philippe, qui est-ce que vous dites qui est-ce que vous mettez? Ce qui est base pour décider qui est-ce que vous mettez. Moi-même, là, il fait ouais, toujours dit ça, beau sale, pas trahi. Nous-mêmes, nous pas traite. On est boulé. Nous pas traite. Si m'dou, oui, m'dou, oui. Si m'dou, non, tout, mais nous, non. Zamim, ouais, si m'dou, oui, moi, avant. De vrai, m'dou, oui, de vrai, beau sale qui dou, oui, nous avons. Mais si on dit, si on dit non, Zamim, ou met ta bien roulé, ou met ta bien passé, ou met tes présidents, ou met tes premiers ministres, ou met tes chefs, ça c'est dans le qui dans coco, ça va garder. M'dou non. M'ba danser collé avant, m'ba danser collé avant. Elle fait grand pile monde qui dit qu'on a, un pile monde qui dit qu'on a joué, dit oui, pour que raison pas dans Claude, pour que raison Claude, c'est si c'est là, ah non, give a fuck, l'emba on veut, on est, m'ba avant, c'est le principe. Et principe pam ou que doit ou même ou est exit pour aller manger grain maïmoun ou aller manger grain blé ou aller manger maïe pitimi ou aller manger ceci c'est la ou aller petit job is up to you. Mais moi même moi que principe pam moi dit non balade balade on clair un principe pam ou que problème à principe moi ça c'est ou même ça c'est ou même moi même moi dou si me tomber qu'on est principe sous base principe moi me tomber. N'importe l'autre attendez au de la voisine mouri connaissez sous base principale li mouri. Et la voisine pourquoi mouri? M'a mouri facile comme ça. Bon, parce que m'a prêt pour une bataille et fort révolution fait comme m'a le mouri. Et bien, puis y a révolution pour vous fait et puis m'a le mouri. Bataille et qu'on y a m'a le bataille. Et n'a qu'à faire petit complot bullshit. Manik la gué poste là. Ok, Guy Philippe, c'est si c'est là. Moi, je suis agité, tripotaille, complot, à gauche, à droite, fait caca. Caca, caca, fait. Caca, caca, fait. Abay tripotaille, relé à gauche, fait complot, c'est si c'est la fait coute langue, bullshit. Dis bon parole, lui dit la pla. Si Guy là, good. Il décide pas là tout, c'est choix pâle. Moi-même, là, me dit oui, me dit oui. Là, me dit non, fucking dit non. Et caractère, en tant que leader. M'ba prend faire zé des côtes, ni tripota dans mes personnes. Pas de moun qui a eu branlim. Pas de moun qui a fait m'paix. Et bataille m'a fait commencer. Vle pas vle révolution la pied. Ok? Je suis esclave de Dieu, de Jésus Christ. Je suis esclave de ma conscience. Et je suis esclave de la révolution, de la cause haïtienne. M'ba esclave pièce individu. M'ba esclave pièce vacabon. M'ba esclave personne. M'sais esclave garde, Jésus-Christ chef moi. M'sais esclave conscience moi. Et m'sais esclave cause haïtienne dans la révolution. M'ba là, m'ba dans un bagage comme ça. Alors, quel il a, il là, il n'est pas bon parole, il vini, vini. Révolution m'a pas avancé. Révolution m'a pas avancé. Parce que, n'est yo, yo dangereux. Révolution m'a pas avancé. Que vle, l'a pas avancé, l'a pas couché. Parce que, si n'est yo façon de faire politique en Haïti, yo vicieux trop. Yo sans caractère trop. Yo chien trop. Yo grand goût trop. Ok? Yo chien trop, yo grand goût trop. Marché geta bay kout lang. Plusieurs moun rele map di mori. Plusieurs moun rele map di oui. Gena ki geta bay kout lang oui. Gena ki geta fefeze de kout. Ou kez? I don't give a fuck. I don't give a fuck. Ou mse ou mnom denom. Oui, m'sais, oui, m'nom, j'nom. Révolution liée, tonton. Pas de monde qui a fait me faire bac. Moi, m'parie l'argent sous ça. Pas de pièce, motherfucker, qui a fait me faire bac. Révolution. Vle pas, vle. Révolution. Complot pas complot. Révolution liée, ton complot. Beau sale pas trahi. Beau sale pas fait lâche. Beau sale pas fait bac. Moi, après, dis-le encore. Révolution liée. Beau sale pas trahi. Beau sale pas fait lâche. Beau sale pas fait bac. Beau sale pas soumis. Nous, soumis nous-mêmes. Et beau sale nous y est. Nous avons une idéologie qui est claire. Jésus, c'est le chef beau sale. Nous n'avons pas l'autre chef qui est Jésus-Christ.
nous collaborer avec nèg, mais nous pas gen chef. Chef nous relé Jésus-Christ. Chef Bossal yo relé Jésus-Christ. Nous ka collaborer pour une cause, mais nous pas gen chef nous-mêmes. Nous pas gen avec personne sur la terre. Pas une pièce nèg nous qui cache pour nous. Bossal pas gen chef, nous chef Jésus-Christ chef nous chef conscience nous chef tête nous n'a révolution vle pas vle révolution point boule avec ou sans révolution. Mais nous en pile kembe là en pile love, c'est un plaisir de avec nous à cela. Passez bon après-midi, beau salon froid, beau sal tout le temps, campé goumenier, nous pas paix, complot pas complot, révolution n'a bataille pas oublier. Nous rendez-vous et 18 août lié yon seul côté dans Quai Manhattan. Dans Quai Manhattan, 515 Madison Avenue, 10e floor, gratis. Au seul bagay, allez pour aller enregistrer pour venir participer. Et puis, red, campé goumenye. Pas de faire back, pas de garder ni à gauche ni à droite. Ok? Révolution liée, tonton. Bataille na bataille. Et pour Haïti, clair, Christel Chef. I love you. Kembe la. Ciao.